voici venir une autre bataille, la nôtre, Guillaume Moguet. Ça va les amigos? Non. Mais, vous connaissez pas la dernière? Non. J'ai toujours rêvé de commencer mes chroniques comme ça. Je ferai des choses. Lève la type avec le mec, une idée. Je lui dis, c'est pas qu'une question de carburateur, Francis. Bon bref, vous connaissez. Oh le mépris. J'ai rien compris. Vous connaissez pas la dernière? Non. On m'a proposé de tourner dans un porno. Oh. Mais pas vrai. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Ernesto, fils d'un canard et d'un pédalo, tu mens, tu prétends une sornette. Eh ben pas du tout. Je jure sur la tête d'Henri Lecomte, on m'a proposé de jouer dans un porno. Et j'ai envie de dire, il était temps. Ça fait 5 ans que je viens ici en espérant qu'on me repère. Vraiment. No offense, les gars, mais pour moi, les chroniques sur Inter, c'est juste une étape. Hein. Mon vrai target, c'est faire l'amour déguisé en plombier. Mais j'étais sûr que je finirais par faire du cinéma. C'était écrit. J'étais sûr que j'allais faire du cinéma. C'était écrit quand j'étais petit, on m'appelait Jean Rochefort. Là, mon pseudo pour porno, c'est Jean-Nic Fort. Voilà, dommage. Et vous croyez que je suis fier de cette blague? Vous croyez que je suis fier de cette blague? Vous croyez que je me présente à l'auditeur en me disant il va me trouver tellement subtil? Pas du tout. Mmh. Non, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour parler d'autre chose que du Covid? En attendant, je vous promets, dimanche, j'ai reçu un message d'une actrice et réalisatrice de film X qui me disait qu'elle tournait des films pleins de tendresse et d'humour. Et c'est vrai que dans le milieu du porno, il faut admettre, ça manque nettement d'humoriste, quoi, non? Ouais, il y a Daniel. Ouais, ok. Mais Daniel, c'est pas pareil. Daniel, chaque fois que je le vois dans un film de Hulk, je mets 3 semaines à récupérer un peu de sang dans mon claoui. Hein, c'est vrai? Encore un peu, il se nécrose. Et pourtant, Daniel, érotiquement, il fait des trucs. Tu dis, ah ouais, lui, il est souple. Il est souple. Vraiment, moi, je suis le premier surpris. Mais par ailleurs, dans le porno, ça manque surtout de tendresse. Et pour ça, elle a tapé juste en me sollicitant. Parce que je suis la tendresse incarnée. Moi, quand je jouis, j'ai dit, je t'aime. Toujours, comme Adamo. Toujours. Ça m'a déjà joué des tours. Parce qu'il y a des fois, je jouis et j'en regarde quelqu'un d'autre avec moi. C'est vrai. Et... ouais. Mais c'est vrai. Et vas-y, le signal que ça envoie comme quand je suis un romantique et que je vais lui acheter des hortensias. Et ben, du coup, j'ai eu un dilemme. Attends. J'ai eu un dilemme. Parce que c'est un mini fantasme le porno. C'est vrai, je me suis demandé si j'allais pas y aller, quoi. En mode YOLO, on vit qu'une fois. YOLO. En mode, c'est vrai, c'est pas quand j'aurai l'âge de Nagui qu'on me le reproposera. En mode, je vais faire une levrette en faisant ça va les amis gosses. Ouais, en mode, ça te gêne si je garde mon damar. Enfin, tu vois, je vais y aller. Ben voilà, j'ai pris une décision. Non. J'ai décidé de pas le faire. Oh. Pour d'évidentes raisons anatomiques. Ouais. Moi, je connais mon sexe d'une certaine manière, je le respecte. Hein, on a été à la mine ensemble, mais clairement, c'est pas pour rien si je suis actif dans la chronique et pas dans la pornographie. Je te le dis, franchement. J'ai regardé les moyennes, mon sexe il peut pas être plus européen. Mon sexe c'est Robert Schuman, il a fondé la CEE. Il a négocié le Brexit, il est en retard sur les vaccins. Vraiment plein de fois j'ai regardé YouPorn ensemble, il me disait je veux faire ça. J'ai dit ah bah non mon petit, ça c'est pour une autre fois. Hein. C'est pas pour toi, mon loup, chacun son talent. Je lui disais toi t'arrives à écrire émolument dans la neige, hein, c'est déjà pas si mal. En plus voilà. C'est ce que je disais à cette jeune femme. Moi je lui disais, moi je veux bien faire l'amour dans un film, mais alors faut que t'acceptes l'idée que ce soit un court métrage. Hein. Parce qu'une scène de 8 minutes, je la fais en 4 prises. Quoi. Ouais, bonjour le montage. En plus, faut enlever 4 je t'aime. À propos, je fais une parenthèse sur le montage dans les films de cul. Ça doit être une galère, non? T'imagines, t'es avec le monteur, tu lui fais avance un peu au moment où il dit t'aimes ça. Oui, mais lequel? Parce que. Voilà, fin de la parenthèse. Au final, j'ai décliné la proposition respectueusement. Et quelque part, c'est dommage. Ça manque de gens normaux, je trouve, dans le porno. C'est vrai, ce serait marrant, non? Un porno avec que des gens vraiment normaux. T'aurais des dialogues du style. Tu la sens. Écoute, je vais te faire une réponse en 2 temps. Là. Ça pourrait éduquer les jeunes différemment. Hein. T'imagines les titres? Mimou, avec Ernest Guise, Tom Villa dans 6 minutes 30 de plaisir, Morgane Cadignan dans Elle finir par regarder un DVD. J'ai remercié la jeune femme de m'avoir donné un chouette sujet. Elle m'a dit qu'elle était impatiente de l'entendre. Alors on lui souhaite bon film et bonne émission. Merci, Guillermo.